Alright, fait que Jean-François, on est ici à Le Tour, on est tout près de Chamonix, fait qu'on vient de finir une sortie de 17 km. Fait qu'on est un peu avant l'UTMB, en fait on est exactement à 5 jours de l'UTMB, fait que comment tu te sens de ce temps-ci? Ah, je me sens super bien, je suis arrivé vendredi matin, fait que j'ai fait une belle sortie hier, une belle sortie aujourd'hui, puis après ça on va prendre ça plus relax là, pour être sûr d'arriver reposé vendredi soir. Puis avant de parler de la course, on s'est parlé un peu de ta préparation. Tu as une préparation quand même spéciale, ce qui est souvent le cas là, pour des 100 miles. Fait qu'il y a 3 semaines, tu as fait une semaine choc au complet en Gaspésie, comme très très grosse. Là. Fait que, peux-tu parler un peu exactement c'était quoi cette semaine-là, puis comment tu penses que ça va t'aider pour dans 5 jours? Ouais, ben dans le fond, j'avais une semaine de congé, donc j'en ai profité pour aller en Gaspésie, puis explorer le territoire, faire des belles sorties. Là. Puis comme j'ai toutes mes journées, j'ai fait environ du 50 km par jour, fait que j'ai fini une semaine de environ 270 km. Là. Donc c'est vraiment, c'est d'avoir du temps sur patte, puis du volume, parce que l'UTMB, ça va prendre 23-24 heures. Donc, puis 10 000 mètres de dénivelé, donc c'est du temps sur patte, faut s'assurer que les jambes tiennent. Puis après ça, ben moi je travaille encore en Nunavut en rotation, là, 2 semaines de travail, 2 semaines off. Fait que j'ai fait 2 semaines au Nunavut que là j'ai pris ça plus relax, je me suis reposé, mais je me suis quand même concentré spécifique à faire du dénivelé. Puis ensuite, après mon 2 semaines, ben je suis venu à Chamonix directement. Puis là, cette année, ça va être ta deuxième fois que tu vas participer à l'UTMB. Ouais. Tu es parti en 2017. Puis moi, je me rappelle d'avoir suivi la course en live. Tu avais vraiment, en ce que ça avait l'air là, d'être une gestion de course là, vraiment parfaite. Parce qu'on dirait qu'à chaque ravito, tu devançais toujours du monde. Puis tu avais fini là, vraiment une très solide 31e position. Ouais. Fait comment tu penses que cette expérience-là, ça va t'aider cette année? Puis est-ce que tu vas changer ou modifier un peu ta stratégie de course ou tu vas essayer de faire environ la même affaire, le même plan de match? Je vais essayer de faire la même chose, c'est sûr. L'UTMB, faut pas que tu partes rapidement, faut vraiment que tu partes conservateur. Ouais. Puis c'est vraiment c'est la deuxième moitié là, qui compte le plus. Là. Puis c'est vraiment important d'avoir des paces, d'être vraiment à l'aise en partant. Puis ensuite, c'est là que tu vas pouvoir pousser plus. Puis garder ton pace, puis grappiller des positions. Là. Ouais. Donc, moi, c'est ça que j'avais fait en 2017, là, puis je compte bien faire ça. Là, puis c'est comme si tu te dis dans la première moitié, tu te dis, je suis pas sûr que je pousse trop, bien, sûrement que tu pousses trop. Puis ouais. Si, dans le fond, dans la deuxième moitié, tu te dis, je pourrais peut-être pousser un peu plus, ben c'est ça, faut que tu pousses plus. Mm-hmm. Fait que c'est un peu comme ça de le gauger. Là. Puis c'est sûr que tu peux te fier sur tous les temps des dernières années. Là. Avec tous les passages, puis tu peux voir qui a fait des bons temps de course, puis tu vois qu'ils sont partis quand même assez conservateurs là, pour fait progresser au fil de la course. J'imagine toi, tu te fies un peu à tes splits de 2017 pour te comparer un peu? Ouais, quand même un peu, mais c'est sûr que je vise de le faire un peu plus vite. Là. Okay. Mais ouais, c'est sûr, j'ai regardé mes paces là, que j'avais faites, surtout en deuxième moitié, là, à partir de Courmayeur. Ouais. Puis justement, en termes d'objectifs, c'est sûr que c'est un peu difficile là, pour une compétition de même, où tu sais que tu sais, t'es contre plein d'autres coureurs, puis en plus, t'es un 100 miles, t'sais, tout peut t'arriver. Mais est-ce que t'as des objectifs que tu t'es déterminé à toi-même ou tu vas plus y aller comme on va voir ce que ça va donner? Non, c'est sûr, j'aimerais ça le faire en bas de 23 heures, là, okay. Dans ces environs-là. Là. Okay. C'est sûr, c'est un gros défi. J'avais fait 24 heures 20. Okay. Okay. Fait que quand même, je pense que c'est réalisable, mais la position, c'est dur à dire, là. Ça dépend vraiment des années. Là. Il y a des années que tu fais 23 heures puis tu es comme 20e, puis il y a des années que tu fais 23, tu es 5e. Là. Donc, non, ça va être vraiment un temps. Là. Je vais essayer de, comme j'ai dit tantôt, partir conservateur puis avoir une bonne fin de course pour grappiller des positions. Là. Cool. All right, hein. Merci beaucoup. Hein. Yes, plaisir.